On nous demande quel nombre est représenté par les blocs ci-dessous. Donc on a ici des blocs qui sont organisés d'une certaine façon. Et il faut qu'on regarde en fait combien il y a de blocs en tout. Alors évidemment, on pourrait les compter un par un, mais ça serait un petit peu long. Donc on va essayer de faire ça de manière un peu plus intelligente. Alors, je vais déjà compter combien il y a de blocs dans ce carré. Là, ça a l'air d'être un carré. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10 lignes, 10 colonnes. Donc, en tout, je vais avoir 10 fois 10, c'est-à-dire 100 blocs. Hein. Donc, ça, c'est une centaine déjà. Là, j'ai probablement une autre centaine. Donc, en tout, je vais avoir deux centaines, deux blocs de 100. Hein. Ça c'est les deux carrés qui sont là, et ça représente 200, 2 centaines. Et puis euh, je vais compter maintenant ce qu'il y a dans cette bande-là, par exemple. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai 10 blocs, j'ai une dizaine, et puis en fait, j'en ai 4 pareils. Hein. J'ai quatre bandes qui sont identiques. Donc je vais avoir 4 bandes de 10, donc 4 dizaines. Donc je vais le placer ici. Ça c'est les dizaines. Et puis voilà, c'est tout, parce que je n'ai pas d'unité, en fait, je n'ai pas de bloc libre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire j Il faut que je remplisse la, la position des unités qui est, qui est, qui est ici. Hein. Et donc, comme il n'y a aucun bloc tout seul, je vais mettre un 0 ici. Et ça, ça sera les unités. Voilà. Donc en fait, pour répondre à la question ici, il y a 240 blocs, c'est ce qu'on lit ici, 240, c'est-à-dire 2 centaines, c'est ça, 4 bandes comme ça, qui sont des dizaines en fait. Il y a quatre dizaines ici, et puis zéro unité. Voilà, donc ce 2 représente les centaines, qui sont représentées ici en carré, hein, c'est les grands carrés. Le 4 représente le nombre de dizaines, et les dizaines, elles sont représentées ici comme des bandes, de 10 blocs, et puis zéro unité. Voilà, bon, on va faire un autre exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Alors maintenant, on va prendre ça. Alors ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. On va voir ce qui se passe. Alors ben, là, j'ai... Ici, ce bloc-là, bon, je peux recompter, mais c'est un carré de 10 fois 10, de 10 colonnes et de 10 lignes. Donc ça, ça représente une centaine. Hein, une centaine. Donc, je vais le placer ici. Je vais l'écrire comme ça. C'est une centaine. Et puis là, j'ai ces bandes-là qui font 10. Hein, donc là, j'ai 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc ça, c'est 5 dizaines. Et puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 4 blocs tout seuls, donc ça c'est 4 unités. 4 hein. unités. Donc le nombre de blocs qu'il y a ici, je peux, peux l'exprimer en disant qu'il y a une centaine et 5 dizaines et 4 unités. Alors ça, je vais l'écrire comme ça, comme d'habitude. C'est une centaine, 5 dizaines et 4 unités. Donc il y a 154 blocs. Ce qu on, quand on lit ce nombre-là, on lit 154. Voilà, ben j'espère que ça t'aura été utile.